Bonjour à tous. Alors, désolé par avance pour le bruit de fond que vous entendez. Ça arrive hein, parfois avec ma caméra qu'il y a un bruit de fond comme ça. Je sais pas comment on l'enlève. C'est un petit peu casse-couille, mais il faut faire avec. De toute façon, on est obligé. Je vais vous citer 50 films que je regarderai jamais de ma vie. Partie 4. Film américain, j'entends. Ça fait un petit bail que j'ai pas fait ça. J'ai un petit peu arrêté, je reprends. Partie 4. Alors comme d'habitude, je vais me faire pas mal d'ennemis, ça c'est sûr et certain. Mais la vie, on peut pas plaire à tout le monde. C'est le but du jeu. J'ai la petite liste. Ah oui, c'est ça la vie, on peut pas plaire à tout le monde. Allez, c'est parti. The Batman 1 et 2, le 2 quand il sortira. Le Transporteur l'héritage, qui est un reboot de la trilogie avec Statham. Chronicles. Prey. John Carter. Scary Movie 4 et 5. Prometheus. Alien Covenant. Taken 1, 2, 3 avec Liam Neeson. Equalizer 2 et 3. Le 1, j'ai pas aimé. Babylone de Damien Chazelle. Le Conan de 2011 avec Jason Momoa. Je tourne la page, pour l'instant on est à 17. Ted 1 et 2 avec Mark Wahlberg. Very Bad Cops. Nos pires voisins 2. High School Musical 1, 2, 3. Hooligans 2. Interstellar, Mad Max Fury Road, Furiosa, Bohemian Rhapsody, Opération Espadon, The Human Centipede 1, 2, 3, Oblivion, Edge of Tomorrow, Doctor Strange 2, Supergrave, Hacker, Push, Battlefield Earth, Hypnotique avec Ben Affleck, Le Dernier Duel, Jack Reacher 2, Pirates des Caraïbes 1, 2, 3, 4, 5, et Le Flic de Beverly Hills 4. Il y a eu un 4? Voilà. Je vous invite à me dire dans le commentaire ce que vous en pensez, comme d'habitude, et puis je vous dis salut.